Bonjour, Mouzaï, capitale du tracteur pulling, une discipline qui nous vient des États-Unis, assez méconnue en France. On y découvre des tracteurs avec des moteurs d'avion. Pulseo s'est donc rendu à Mouzaï pour le championnat de France organisé par l'association mouzaïaise de tracteur pulling, fondée voilà 12 ans. L'origine du tracteur pulling, ça a commencé en 1937 aux États-Unis avec des petits tracteurs à l'époque qui faisaient 30-40 chevaux. Il y avait un traîneau de bois qui était attelé derrière, des commissaires de course qui montaient régulièrement tous les 5 mètres. Et quand le tracteur se mettait à patiner, on s'arrêtait et on comptabilisait la distance parcourue. Aujourd'hui, le système est à peu près le même, sauf qu'on a une remorque super sophistiquée. Il y a une masse qui déplace sur l'avant de la remorque au fur et à mesure de l'avancement du tracteur. Et quand il se met à patiner, on a la télémesure laser qui donne la distance parcourue. Donc c'est à peu près le même système. Alors à Mouzaï, nous ça a commencé donc en 1998 pour la première fois. Et nous le faisons depuis régulièrement, tous les deux ans. Donc c'est la 7e fois qu'il y a du tracteur pulling à Mouzaï. Au départ, c'était du tracteur agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, ça a évolué dans le temps. On a mis des moteurs beaucoup plus puissants. Aujourd'hui, on a des moteurs Rolls-Royce, par exemple, des moteurs en étoile d'avion. Et maintenant, on a aussi de la turbine d'hélicoptère qui arrive des pays de l'Est. Et à ce moment-là, on développe jusqu'à 8000 chevaux. Et là, c'est quand même assez impressionnant, il faut le dire, quoi. On a donc 24 tracteurs, nous, cette année. On a donc aussi dans le lot des tracteurs qui viennent du Danemark, Belgique, Hollande et pour la première fois des Italiens. C'est bien, c'est un beau panaché. C'est un moteur Rolls-Royce V12 Griffon de Spitfire, un moteur d'avion quoi. Donc très puissant. Très puissant, pour environ 3500 chevaux pour 2 tonnes et demie de tracteur. Vous êtes vraiment mécanicien pour... Vraiment mécanicien, non, pas mal débrouillard, mécanicien aussi, mais enfin c'est pas du tout mon métier. Mais avec la passion, des aides de collègues, il n'y a pas de souci, on y arrive quoi. Nous sommes 270 bénévoles. On y travaille depuis le mois de janvier, quoi, à peu près. Et tout le monde à Mouzaï y participe de bon cœur. On se retrouve tous les deux ans, c'est très convivial. Les gens retiennent la date, c'est toujours le premier dimanche d'août, tous les deux ans. Donc ce sera le 5 août la prochaine fois, 2012, et ils le savent. Quand tout va bien, il y a 4500 personnes et c'est très bien comme ça. Au total, 34 pouleurs ont participé à cette 7e édition, des engins pesant entre 500 kg et 4,5 tonnes.